Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, je pense qu'elle est un petit peu attendue hein, par quelques-uns des abonnés et puis quelques-uns de mes amis aussi. Donc je vais parler du Hellfest. Alors j'ai mis un petit peu de temps pour sortir cette vidéo. Je voulais pas la sortir tout de suite en rentrant du Hellfest parce que je pense que j'aurais peut-être dit des choses que j'aurais regrettées. Donc je suis parti en vacances après le Hellfest avec ma petite femme. On est parti à Malaga en Espagne en famille. C'était super. Aujourd'hui, je tourne la vidéo du Hellfest. À tête reposée et surtout réfléchie. Alors les amis, je suis obligé de changer de place parce que regardez, je crois que j'ai un petit problème sur ma table. Je dois avoir un essaim planqué en dessous de la table. Alors les amis, au moment de prendre les tickets pour le Hellfest, voilà, j'avais appris donc que Metallica clôturait donc ce Hellfest 2022. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris ma place. Et celle de ma petite femme. Donc on était une bande de copains, chacun chez soi, connectés sur le site le jour même pour être sûr d'avoir des places. Et super. Alors personnellement, je me suis retrouvé dans les 7000 premiers. Donc c'était sûr que j'allais avoir mes places. Donc la mienne et celle de ma petite femme. Donc jusqu'ici, tout va bien. Alors je me suis dit, vu que c'est Metallica qui va clôturer ce Hellfest, et ben que ça allait être une superbe édition. Et ben non, faux. Et je vais m'expliquer tout de suite. Alors les amis, clairement, moi, le Hellfest cette année, j'ai pas spécialement pris mon pied, voilà, au niveau des groupes. Et ça a été une très grosse erreur de ma part quand j'ai pris les tickets. Puisqu'il y a évidemment Metallica, donc un de mes groupes préférés. Mais il n'y avait pas que Metallica. Il ne fallait pas regarder que Metallica. J'aurais dû regarder quand même toute la programmation. Et forcément, j'ai été déçu de cette programmation. Alors, évidemment, tout n'était pas à jeter. Alors, évidemment, je parle pour moi. Voilà, c'est mes goûts. Voilà, je dis pas que cette édition était pourrie pour tout le monde. Mais pour moi, cette édition, elle a clairement pas été la mieux. Voilà, que j'ai pu passer au Hellfest. Donc, comme je disais, j'aurais dû regarder avant la programmation. Les groupes qui y jouaient et forcément j'aurais pas pris ma place pour la deuxième édition. En revanche, pour la première édition, j'aurais pris ma place. Il y avait des groupes plus intéressants pour moi, voilà. Et bon, bah c'est comme ça. Et puis avec les jours de congé, etc., etc., bah c'est pas évident parce que j'avais déjà posé cette semaine là pour la deuxième édition. Donc je reviens sur les groupes. Alors il y a eu quand même quelques groupes sympas de la deuxième édition, notamment Spirit Box. Voilà, Spirit Box, je connaissais pas spécialement et de les voir en live, c'était une bonne surprise. Voilà, aujourd'hui j'en écoute, c'est pas mal du tout. J'ai été aussi convaincu par la prestation de Avatar. Donc Avatar, c'est un super groupe. Justement, le groupe commence à bien grimper, voilà, commence à être bien populaire. Et je pense que d'ici quelques temps, peut-être quelques années, je pense que Avatar va encore nous surprendre. Voilà. En tout cas, ils ont fait un show extraordinaire au Hellfest. Il faut savoir que le chanteur, il est complètement barré. Il a une personnalité, on peut que s'attacher à lui en fait, parce que leur musique déjà, elles sont quasiment toutes géniales, voilà. Et forcément, quand il y a la prestance, quand il y a le show derrière, et ben on kiffe encore plus. Donc j'ai eu quand même quelques groupes que j'ai apprécié quand même. Tout mon Hellfest n'est pas à jeter à la poubelle, voilà. Ensuite, il y a eu forcément mes amis de Benighted. En l'attente pour Benighted, Carole. Oh. C'est beau. Alors pourquoi tu caches déjà? Open IT, hein, va ma foi, hein. Ils sont délirés les bâtards. Ça va être une boucherie. Une boucherie pour Benight. Benighted, un super show. Je crois que pour moi ça a été le meilleur de cette édition. Benighted, il passe au Hellfest je crois tous les ans,
quasiment. Voilà. Et j'ai jamais été déçu. À chaque fois, je vais les voir. Et c'est juste grandiose. On a eu aussi la chance de pouvoir rencontrer Benighted sur le stand Hero Coffin, voilà, où il faisait, je pense, des séances de dédicaces, des photos, etc., etc. Donc, faut savoir que moi, je connais un membre du groupe personnellement, donc Emmanuel, voilà, Emmanuel Dalle. Donc, je le connais personnellement bien avant qu'il intègre Benighted, voilà. Donc, forcément, c'est un plus pour moi. Peut-être pour les rencontrer même dans le futur, quoi. En tout cas, ça a été vraiment une très très bonne surprise, comme je vous disais, pour Benighted. Ça a été super. Donc, comme je vous disais aussi, on a bu un coup avec eux, on a pris des photos. J'ai bien aimé parler, alors un tout petit peu, avec Julien Truchant, donc le chanteur du groupe. Il a une voix tout simplement énorme. Je sais pas comment il fait pour faire le cochon comme ça. Bref, vraiment, Benighted, super, super, super. Prestation au Hellfest. Donc le temps au Hellfest pour la première édition, les amis, canicule, 40 degrés, 900 malaises, ça c'est fait, voilà. Deuxième édition, les amis, et là ça a été une très grosse claque dans la tronche. Alors évidemment, le Hellfest, ils peuvent pas prévoir la météo, voilà, soit il fait beau, soit il fait pas beau. Les amis, de la deuxième édition, on a eu un jour et demi où il a fait beau, mais vraiment beau. Tous les autres jours, il a plu. Et quand je vous dis qu'il a plu, c'est pas deux petites gouttes, hein. C'est vraiment, ça a draché comme il faut, quoi. Et j'ai été forcément très déçu par le temps, puisque quand il pleuvait vraiment à verse, bah je vais pas vous le cacher, j'avais pas envie d'aller m'amuser, j'avais pas envie d'aller mouiller la tronche pour des groupes, au final, bah qui me plaisaient pas forcément. Donc j'ai quand même passé les trois quarts du temps au camping. Donc même si j'adore le camping au Hellfest, j'y vais aussi pour ça, mais il n'y a pas que le camping. On va dire que les trois quarts du temps, tu les passes au fest et le reste au camping où tu t'amuses, tu bois des coups, tu fais des rencontres, des amis, etc., etc. Mais très grosse déception par rapport au temps. Comme je le disais, voilà, il a plu vraiment beaucoup. C'était pas agréable. On était mouillés tout le temps. Les nuits, on les a passées sous la flotte. Ah, parce qu'il pleuvait tout le temps, c'était une horreur. Et en plus de ça, en repartant du Hellfest, donc comme je vous disais, je suis parti un jour et demi après, je suis parti en Espagne avec une crève comme jamais. Et ma compagne, c'est pareil, elle a chopé une crève encore plus forte que moi. Respect à elle d'ailleurs, parce qu'en Espagne, elle n'a pas gâché ses vacances à cause de la maladie, mais c'était pas évident pour elle. Bref, on est plus ou moins guéri. Allez, j'ai encore un petit peu la toux, etc., etc. Mais bon, donc du coup, je voulais en venir à ça, c'est que je vais au Hellfest et pas forcément pour des groupes que j'apprécie. Ensuite, je me chope une crève de bâtard. Donc forcément, c'est pour ça que je suis un peu négatif sur cette vidéo par rapport à ça. Voilà. L'organisation, elle a été plutôt pas mal. Voilà, ça a été réussi, notamment à cause des intempéries, tout ça. Le Hellfest a su rebondir sur tout ça. Et donc au niveau d'organisation, voilà, c'était pas mal. Même si, comme je le disais, il y a toujours du progrès en fonction des éditions. Voilà. Mais l'attente, cette année, elle a été abusée. Alors je ne sais pas si c'est parce que Metallica clôturait l'affiche. Mais en tout cas, il y avait énormément d'attentes, beaucoup plus qu'en 2019. Voilà. Et je vous le cache pas, j'ai horreur d'attendre. Alors je sais très bien que voilà, quand on va au Hellfest, on sait très bien qu'il y aura de l'attente, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Les files, elles étaient impressionnantes, c'était interminable. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça, par rapport à l'attente. Sinon, au niveau de la bouffe, alors le Hellfest, très gros progrès, il y a vraiment de tout pour tout le monde. On a des restos asiatiques, on a du vegan, on a du burger, enfin vraiment tout est bien pensé pour tout le monde, en fait. Voilà, tout le monde peut manger à sa faim, voilà, et tout le monde peut bien manger. On mange bien, la bouffe, elle n'est pas dégueu du tout. Et je vais en venir évidemment sur le prix, les amis. Alors clairement, évidemment, le Hellfest vont pas donner la bouffe, vont pas donner les bières, etc., etc. C'est pas ce qu'on demande, voilà.
Je sais qu'il y a eu des éditions perdues, donc faut les rentabiliser aujourd'hui, forcément. Mais je vous le cache pas, le Hellfest, ils se sont bien touchés la nouille cette année. Je prends un petit exemple, une bière 28 centilitres, 6,70€. Une bière 58 centilitres, 8€. Les amis, j'ai pas pris une seule cuite du Hellfest. C'est simple. Et puis évidemment, il y en a qui pourront dire oui, mais quand tu vas pas au Leclerc, t'achètes tes bières, et puis voilà, tu les bois quand tu es sur le camping. Bah c'est pas possible parce que voilà, vous allez prendre votre bière, vos packs de bière, mais vous allez les stocker où? À moins d'avoir pensé à prendre une glacière ou voilà, les pains de glace ils durent pas toute la vie. Hein. Voilà. Donc même en ayant une glacière, voilà, des bières chaudes, bah c'est des bières de pisse quoi. Donc on n'a pas pris de bière au Leclerc. Mais le Hellfest, ils se sont grave touché la nouille pour la thune en fait. Voilà. Là clairement, ça a été vraiment. On rattrape les années perdues, donc on cartonne, on met les prix au plus haut, et puis voilà, de toute manière, les gens bourrés, ils vont dépenser, donc on fera notre truc quand même. Et c'est très décevant, parce que ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes, le budget du Hellfest, voilà, y a des gens qui économisent durant toute l'année pour pouvoir s'acheter le ticket, et le ticket, c'est vraiment une goutte d'eau, puisque ensuite, il y a forcément la bouffe, il y a la boisson, il y a le merch, si vous voulez vous faire plaisir. Et tout ça, ça rentre dans le budget. Et pour vous dire un ordre de prix, avec ma compagne, Kroll, le budget du Hellfest cette année, ça a été un peu plus de 1 000 €. Voilà. Donc comme je vous disais, l'étiquette du Hellfest, c'est vraiment une goutte d'eau. À côté, forcément, il y a du merch, ça donne envie. Donc on craque un petit peu, même si on craque pas à des 1000 et des 100. On craque un petit peu quand même, voilà. Tout est fait pour donner envie aux gens d'acheter. Alors c'est bien, mais c'est ultra cher. Le merch, c'est pareil. Je m'attendais quand même à des choses un peu plus abordables. Voilà, tout était super cher. C'était abusé quoi. Les amis, les toilettes et les douches. Alors là par contre, ça a été une très grosse surprise. Les toilettes, le Hellfest en ont rajouté un petit peu partout dans tous les campings. Voilà, etc, etc. Et on n'attendait pas longtemps, c'était bien, c'était très bien ça. Très gros effort de la part du Hellfest par rapport à ça. Et les douches, c'est pareil, même si forcément, moi je suis un poisseux de la life, on va dans la seule douche où un couple avec une femme enceinte était dedans et ils ont mis 3 heures. Bon bref, c'est Kevin, c'est le poisseux. Mais sinon, je voyais les autres gens à côté, ils n'attendaient pas plus que ça. Peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum pour prendre la douche. Donc comparé à ma première édition en 2012, où des fois c'était 3-4 heures d'attente, très gros effort du Hellfest. Alors on a assisté aussi à quelques démonstrations de Nils Courbaron. Alors Nils Courbaron, si vous ne connaissez pas, c'est un super guitariste. Donc il fait partie aujourd'hui du groupe Sirenia. Et c'est franchement super bien, je vous recommande. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Vous allez voir, c'est un super guitariste très talentueux. Moi personnellement, je ne sais pas comment il fait pour jouer tout seul. Alors je pense qu'il gère son track maintenant, hein. Ça fait quand même des années qu'il joue, qu'il fait des concerts, etc. Donc je pense que le track, il arrive à vite le mettre de côté, mais quand on voit ses prestations seul, donc pour le stand ESP, donc c'est pour ça qu'à chaque fois il est au Hellfest pour représenter ESP, voilà, ESP France, ça fait très plaisir que ce soit un Français qui soit présent pour, on va dire, rendre honneur à notre ESP France, ça fait plaisir. Je vais vous mettre une petite démonstration de son show. Metallica, donc c'est forcément le groupe que j'attendais puisque je m'étais bien fait chier durant le festival. Donc je me suis dit bon, on va pas perdre le Hellfest complètement, il y aura Metallica, je vais prendre un méga pied devant eux. Et ben non, Metallica, mais une déception, une grosse déception, une grosse calotte. Alors le son, évidemment qu'en plein air, on peut jamais avoir un son comme dans une salle, tout le monde le sait. Mais pour des groupes tels que Metallica, on s'attend quand même à de gros efforts au niveau du son. Et clairement, les amis, je vais pas mâcher mes mots, le son, il était dégueulasse. Il était pourrave.
Alors comparé à Maiden en 2018, je crois, où le son était super, voilà, Metallica, une très grosse déception. Alors, pour le son, mais pour le show, vous allez halluciner, les amis. Metallica, avec Crawl, on a regardé trois chansons et on est retourné au camping. J'ai même honte de le dire, mais on s'est barré au bout de trois chansons. Donc, comme je vous disais, le son pourri, mais la prestation, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Metallica ont besoin de faire une petite pause, puisque clairement, et je pense surtout que James Hetfield, et pourtant, c'est mon préféré dans le groupe, et James Hetfield, il a plus de voix. Voilà, il est temps qu'il fasse une petite pause. Pas d'arrêter, parce qu'ils sont encore jeunes. Ils peuvent encore faire beaucoup de concerts pendant plein d'années. Voilà. C'est pas prévu la retraite de Metallica, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Voilà. Mais en tout cas, très grosse déception. Je pense qu'ils ont besoin de faire une pause, parce que clairement, sur les shows, ça se ressent. La voix de James Hetfield, elle était dégueulasse. Dégueulasse. Donc quand vous avez le son pourri, la voix pourrie, le show pourri, je suis désolé, ça fait beaucoup de pourri, mais je vois pas trop comment je peux dire ça. Et bien forcément, j'ai été très déçu. Je les ai vus plusieurs fois auparavant, en 2012, je les ai vus en 2017 à Lyon, où là, le show, il était exceptionnel. Donc on avait le son d'une salle, donc forcément, bah, c'est 10 fois mieux. Donc le son était présent, la voix, aucun petit pain au chocolat de Kirk Hammett. Vraiment le show exceptionnel. Et pour le Hellfest, très grosse déception, très grosse déception. Est arrivé. Première fois que je fais le Hellfest sous la flotte. Puis en plus ça change du tout au tout. Hier après-midi on se chauffait à bord. Il faisait super chaud. Et aujourd'hui c'est un truc de fou. Et il n'y a plus tout la nuit. Tout le monde en pull au mois de juillet.
Donc après j'ai pas plus de choses que ça à dire, voilà, puisque forcément vous l'avez compris, bah, c'était pas mon édition, tout simplement, ça arrive, voilà. Je ferai plus attention pour les prochaines éditions et je prendrai vraiment les tickets du Hellfest que si les groupes, au moins pas mal de groupes m'intéressent, puisque si c'est pour aller au Hellfest pour voir un groupe, c'est pas la peine, je vous le dis, c'est pas la peine, autant aller les voir pour leur show à eux dans une salle plutôt au Hellfest avec un son pas forcément idéal. Voilà. Surtout si vous découvrez par exemple le groupe de votre vie, moi je vous encourage à aller les voir pour leur show et pas en festival, tout simplement. Sinon, bah, restez connectés sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de choses qui vont sortir. J'ai des compos qui sont quasiment finis là. Voilà. Je peaufine un petit peu tous les détails. Je vous parlerai aussi prochainement d'un futur groupe. Ça y est, on remonte un groupe et cette fois-ci, ça sera le bon. Voilà. Donc, avec ma petite femme, Crawl, au chant. Donc, ça va être super. En tout cas, bon, j'espère quand même que cette vidéo, elle vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à mettre le petit like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes allé au Hellfest, si cette édition vous a plu ou pas. Abonnez-vous aussi, ça fait super plaisir. Et puis, d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.